Hello. J'ai un niveau d'excitation aujourd'hui qui n'est pas mesurable. Vous aimez mon pull? On en parlera après. Bon, soyons sérieux. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Là, je suis vraiment vraiment contente de vous retrouver. J'ai plein de trucs à vous dire, à vous annoncer. Certaines choses que j'ai déjà annoncées sur les réseaux il y a quelques semaines, mais une plus grosse. Pas encore. Donc vous saurez tout ici, maintenant, tout de suite. Quand j'ai un pull à capuche, je sais jamais où mettre mes cheveux. Je vais procéder de façon chronologique. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai tourné il y a un mois et demi avec la chaîne nationale belge, enfin une des deux chaînes nationales, pour une émission qui va sortir en mai, qui sera une émission qui s'appellera Le Meilleur Coiffeur et qui sera en fait un peu comme Top Chef, mais version coiffure. J'ai tourné une journée, donc vous me verrez une soirée dans votre télé sur une étape de l'émission bien précise. Je peux pas en dire plus maintenant, mais je vous annoncerai sur les réseaux et même ici, je pense, quand l'émission sortira. Je voulais juste vous en faire part si vous ne me suivez pas ailleurs, mais c'est bien de me suivre sur Instagram parce que c'est là où je dis beaucoup de choses et sur Snap aussi. Je parle vite du coup, tellement je suis excitée. Et j'ai filmé un vlog toute cette journée-là que je ne pourrai poster qu'une fois l'émission diffusée, donc ça sera mi-mai ou fin mai. Voilà, de 1. De 2, si vous nous suivez, Enzo et moi, sur notre chaîne de challenge, vous êtes déjà au courant, mais je ne l'ai pas du tout engourdi ici non plus. Mais depuis 3 semaines, 1 mois, on a rejoint l'équipe de Fun Radio Belgique en tant que chroniqueur sur la libre antenne avec Vince. Donc vous nous retrouvez en radio 2 fois par semaine, enfin 1 à 2 fois, ça dépend quand on a le temps. Et là encore, c'est une expérience de ouf, on est trop contents, on s'amuse trop quand on y va, on fait des canulars téléphoniques, mais du coup en direct. Et là encore, je ne vous l'ai pas dit ici, donc j'en profite si vous voulez nous écouter. En général je dis sur Snap les jours où on y est et je vous mettrai le lien du player Fun Radio Belgique en barre d'infos. Au moins vous n'aurez qu'à cliquer et vous nous aurez en direct. Maintenant, pour en venir à la raison principale de cette vidéo, parce que c'est quand même pour ça que j'ai filmé aujourd'hui. Faut vraiment que je me calme. J'arrive même plus à respirer, je suis essoufflée tellement je suis excitée. Je vous parlais de mon pull. Alors non, j'ai pas lancé une collection de vêtements. Bon, je suis trop excitée, j'ai envie de laisser un peu de suspense, mais en même temps je me dis, bah dis-le, tu veux faire quoi comme suspense? J'ai été contactée par le site Kezart, qui est un site de coques personnalisées pour téléphone et d'autres accessoires personnalisés, pour créer ma collection de produits. Donc ce dernier mois a vraiment été consacré à beaucoup de choses, dont la création de mes produits. On a créé une collection de départ qui va s'étoffer au fur et à mesure avec les semaines qui vont passer. Donc je suis vraiment trop contente de vous annoncer aujourd'hui que ma collection est en ligne et que je vais vous la montrer maintenant. Donc on a créé 3 mugs, une coque de téléphone et du coup un pull. Je bois du café tous les matins, je suis une éternelle addict au café, donc rien de plus naturel que de vous montrer les mugs en premier. Le premier, c'est un mug tout simple avec écrit Luffy, enfin mon logo, et le kiss noir que vous retrouvez partout où il y a mon logo. La deuxième, c'est exactement la même chose que ce qui est sur mon pull. Je suis prête dans 5 minutes, petit astérisque, je plaisante. Oui, et du coup à l'arrière du mug prête dans 5 minutes, vous retrouvez le hashtag Luffy. Parce que vous faites partie intégrante de tout ce qui m'arrive et de tout ce que je fais, donc je ne me voyais pas ne pas écrire le fils quelque part. Et la dernière, c'est celle qui est destinée à Instagram, parce que vous savez que j'adore poster des photos sur Instagram et que je vous en poste 1, 2 ou 3 par jour hein, quand je suis motivée, mais j'adore ça. Et donc ici, il est indiqué, chaque jour est un nouveau départ Instagram. Et derrière, vous retrouvez du coup mon pseudo Instagram. Du coup, on a 2 articles dérivés du mug prête dans 5 minutes, dont une coque prête dans 5 minutes, du coup on a fait sur fond rose avec le Luffy écrit en blanc et ce pull à capuche, hein, le sweat blanc. Ça c'est une taille S pour que vous puissiez vous représenter les tailles dispo sur le site. Et l'intérieur est molletonné, tout doux, je kiffe trop ce pull. Mes 5 produits sont en ligne sur le site Kezart, tous les liens seront en barre d'infos. Et je suis vraiment heureuse de partager ça avec une communauté comme vous parce que c'est juste exceptionnel, vous êtes tellement adorable avec moi au quotidien. Et pour le moment je fais vraiment en sorte de concrétiser des moments pour vous voir parce que là je ressens vraiment un manque, je vous l'ai dit sur Snap, j'ai vraiment envie, j'ai vraiment besoin de vous revoir, ça fait tellement longtemps que j'ai pu faire un meet-up, donc il y a des meet-up en préparation et je vais pouvoir switcher sur le deuxième, sur le quatrième point de la vidéo. Il y a un meet-up la semaine prochaine en France, plus précisément à Marseille. Oh, je suis trop contente, je vais voir le sud. Ça fait des mois que j'essaie de mettre en place ce meet-up et il sera fait en collaboration avec les Galeries Lafayette. C'est un meet-up qui ne sera pas illimité.
Donc il y a un nombre de places. Mais pour savoir comment avoir vos places, rendez-vous sur Instagram parce que je viens à l'instant, il y a quelques minutes, de vous mettre une photo qui vous explique comment faire pour avoir une place pour ce meet-up. Je suis vraiment, vraiment méga contente de pouvoir aller ailleurs que vraiment dans les villes à proximité de chez moi. Donc c'était vraiment une super opportunité. J'ai trop hâte de vous voir, j'ai trop hâte d'entendre votre accent marseillais. Oui. Toujours en parlant de meet-up, sachez que pour les Belges, il y en aura 3 ou 4, je sais pas encore, qui seront prévus en Belgique début mai et fin juin. Donc restez connectés, je vous en dirai plus dès que ce sera concret, que je pourrai vous en parler. Et on sera aussi en meet-up au Maroc. Ouais! Fin mai, c'est un meet-up organisé par le site, enfin par la marque Largagnan, et donc, ou Largagnan, je sais pas comment on prononce, bref. Et donc, on sera en meet-up le samedi, ça sera à Casablanca. Ça va être trop ouf de vous voir aussi jusque-là, je suis tellement contente. Et là encore, je donnerai toutes les infos sur Instagram, sur Snap, sur Facebook. Donc vraiment, soyez sûrs de m'y retrouver. Je pense que j'ai répété 36 millions de fois, trop contente dans cette vidéo. Mais c'est vraiment l'émotion que j'ai là tout de suite, je suis trop excitée. J'ai envie de parler avec vous, j'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous transmettre mon excitation. Et j'espère que toutes ces nouvelles vous font aussi plaisir. Parce que le but de ces meet-ups, c'est voilà, c'est aussi de vous rendre heureuse. Donc j'espère que c'est le cas. Mais sachez qu'il y a plein de projets qui sont encore en discussion, qui ne sont pas encore concrétisés, qui ne sont pas encore validés, mais qu'il y a plein d'autres choses qui sont prévues d'ici le mois de juin. Donc j'espère pouvoir vous en parler le plus vite possible. Et voilà, et ça va être trop bien et je suis trop contente. Bref, je vais arrêter de me parler parce que je fais que répéter, je suis trop contente. J'espère que vous aimez la collection. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai trop hâte de vous lire. Je l'ai vraiment faite de façon réfléchie, je me suis pas précipitée. J'ai vraiment bien réfléchi à ce que je voulais faire, à ce qui me correspondait, à un truc qui me ressemblait, qui ressemblait à ma chaîne, à mon Instagram. Et j'espère que vous sentez ça et que ça vous semble aussi pertinent qu'à mes yeux, parce que c'était le but et je ferai pas des choses qui ne me correspondent pas, je vais pas commencer à créer des trucs qui ne sont pas dans mon style de vie. Donc voilà, on se retrouve sur les réseaux pour toutes les infos qui vont venir ces prochaines semaines. Je vous aime vraiment très très fort et je vous fais plein de câlins virtuels. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ici.